Salut les amis et bienvenue une fois de plus sur votre chaîne de l'information préférée Réveil d'Afrique. L'heure est très grave. La conduite actuelle de la transition guinéenne inquiète le parti Union des Forces démocratiques de Guinée. Cette formation politique considérée comme l'une des plus importantes du pays estime que l'heure est grave. Elle appelle le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, à revenir sur ses engagements initiaux tenu le 5 septembre 2021 et sur les fondamentaux de la transition. C'est-à-dire le retour à l'ordre constitutionnel. Dans un entretien accordé à Réveil d'Afrique, le conseiller en communication de Selloum Dalein Diallo, président de l'Union des Forces démocratiques de Guinée, a fait une alerte. Entretien. Comment l'UFDG analyse-t-elle le récent discours du président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, à l'occasion de l'an 65 de l'indépendance de Guinée? Le discours du colonel Mamadi Doumbouya était un véritable fiasco, tout sur le fond que sur la forme. Il est revenu longuement sur la motivation du coup d'État, alors qu'on a dépassé largement cette étape. Ils sont arrivés à un accord dynamique avec la CDAO autour des 10 points et qui devrait s'achever en fin 2024. Aujourd'hui, les Guinéens attendent du colonel qu'il leur explique ce qu'il est en train de faire par rapport aux actions planifiées pour que le processus du retour à l'ordre constitutionnel soit effectif le 31 décembre 2024. Nous disons encore une fois de plus qu'il lui appartiendra de revenir aux fondamentaux d'une transition, à savoir un dialogue inclusif avec les principaux acteurs de notre pays, mais surtout l'organisation des élections libres, inclusives et transparentes pour permettre aux Guinéens de choisir librement l'homme ou la femme capable de conduire leur destinée. Pour l'instant, nous disons que le discours du colonel est un véritable échec par rapport à nos attentes. Nous allons nous retrouver pour tirer les leçons de tout ça. Eh bien, les amis, c'est ici que prend fin ce tout petit bulletin d'information. Restez abonnés, restez à la chaîne, partagez avec vos amis si vous la trouvez intéressante. À très bientôt.